Bonsoir chers téléspectateurs, téléspectatrices de la radio Télévérité. Aujourd'hui, que nous réellement contents pour nous bien soeur nous, Zami nous, docteur Milan Jezmen, Gazomen, pour un entretien dans la radio Télé-Solidarité. Nous sommes capables d'ajouter que docteur Milan, c'est un monde qui étudie ici des PhD en éducation et en pharmacie. Et c'est un membre du comité central projet radio Télé-Solidarité, documentaire qui vient. Et bon Dieu permet nous, bon Dieu a permis nous faire avec le livre qui a bien pour écrit sous contribution haïtienne va ici. Et bonsoir docteur Milan. Bonsoir Bois d'Azao. Bon, c'est nous réellement content que pour nous gagner, je dis à qui dans studio radio Télé-Solidarité. Merci, bien content pour moi avec nous tous. Oui, que nous profitons tout pour nous remercier pour Youth Talk Show de conduire derrière que bon, nous espérons qu'il y ait plusieurs Youth Talk Show parce que nous sommes capables de voir des gens qui remettent jeunes. Yes. Et ça que dans tout le monde, que je crois que qui est content, moi qui vois ça, qui travaille que et radio Télé-Solidarité fait à travers même dans l'émission ça. Qui fait que une première question que nous avons posée, nous t'en aimé peut-être pour ta dire non, est-ce que c'est Issou fait ou bien est-ce que c'est Haïti? Et que si c'est Haïti, c'est qui bon pour sortir? Et il avait que vous t'avez parlé un peu d'éducation. Moi, fait en Haïti et moi né à Port-au-Prince. Moi, toujours dit que pas grand qu'un haïtien qui sorti Port-au-Prince. Non, mais vous sortez Port-au-Prince. Moi, sorti Port-au-Prince et moi levé l'on petit quartier pas trop loin palais qui relève avenue Magloire-Amboise. OK. Moi venu ici à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans. 12 ans. Et ça avait dit me fait plus comme ici que Haïti. Et Haïti. Et oui, je fais high school ici. Et puis, je fais études secondaires ici tout. Maintenant, collège, université ici. Vous allez dans le collège, université ici. Mm-hmm. Bon, je crois que vous faites un PhD en pharmacie. C'est exactement. Le... Mais peut-être que ça, un PhD en pharmacie. Bon, pour commencer, c'est pas dans la branche médicale en dévalé. J'ai toujours voulu un avocat. Mais est-ce que toi? Non, va trop tard parce que nous commençons à pousser pour avocat parce que c'est là que je vraiment vrai. Ça arrive pour me faire une longue story, une courte. Maman était toujours voulu un docteur, on connaît les haïtiens, toujours voulu un docteur médical dans la famille. Moi-même, pas comme même qui t'a pas gagné des réactions. En direct comme ça, pour maman et mon père, merci à moi, pour gagner des interactions directes avec patient, mais le gain d'intention à l'université, ma pensée à ça, je supposais faire, là, qui ça pour m'étudier. Je commençais la musique. Ah, ok. Je commençais 3 ans la musique. Une grande soeur qui dit ah, l'offre graduée dans la musique, là, on va le faire avec degré ça. Et franchement, à l'âge matériel, je pensais à ça vraiment vrai. Musique, c'est pour l'industrie et qu'on peut percer la donne facilement. Et puis il vient parler de pharmacie. Comme ou pas vle docteur médical pour gagner pour moi malade directement pour qu'il soit pas venir pharmacien. Et puis vraiment vrai me coûter et puis me faire recherche moi prendre information pour son pharmacie, c'était vraiment même qualité formation que t'es avec docteur médical là, il me dit bon, seul bagage pas bien pour me faire, c'est pour moi et malade yo. Et puis il me dit son bon. C'est une raison qu'il faut aller dans la pharmacie. Exactement. Mais pharmacie vraiment pas. Mais ça fait combien de temps depuis que vous diplômez? Moi diplômé en 2004. Ça veut dire que j'ai 14 ans depuis ma pratique et pharmacie. Qu'est-ce que ça 14 ans? 14 ans. Et vous croyez que son chrétien catholique ou y est tout? Absolument. Que chaque dimanche, je vais aller l'église. Chaque dimanche, you know, de toute façon, mais c'est chaque dimanche pour m'entrer dans la routine, pour me faire des disciplines, pour m'aller à l'église, pour moi,
bah bon Dieu tant. Et même le mercredi tout me connaît quoi, tout mercredi. Pour ça dépend, mais après dit qu'on a l'en prière yo, vendredi, premier vendredi du mois, nous gagne prière non. Mais c'est Saint-Anne Brentwood. Dans Saint-Anne Brentwood, nous toujours faire une fois aller tout. Oui. Bon, n'a retourner sur pharmacie là. OK. Bon, si qu'il y a là bon jeune qui t'a qui réellement qui a fini à school là. Gain pour les gens bien pour l'autre qui t'a voulu aller dans discipline ça, qui sont capables de conseiller vous? Pharmacie, c'est une bonne profession pour un jeune d'entrer là-dedans. Pour deux raisons. Première raison est que la branche médicale, hein, ou pas, jamais été grand groupe, toujours jouer une façon pour jouer un travail. Parce que c'est toujours branche au côté, même si l'autre branche, autant y appeler lay-off. Formation est plus ou moins stable. Ça, c'est une raison de toujours encourager les jeunes pour aller dans la branche médicale. On l'autre bagarre avec la formation encore et que les bords, à cause de ça, il y en a qui pas trop mal, you know. Les bords, si son jeune fille, ça devient même la formation, c'est que il est toujours bon flexibilité quand on sous gentil monde ou marié ou pas avec travail à plein temps ou veut travailler pas temps ou toujours qu'à faire ça et pour toujours font bon salaire et puis flexibilité qu'on gagne avec là sous veut travail 5 jours every other weekend en sous veut travail 12 heures temps 10 heures temps 8 heures temps ça dépend de jour d'arrêt mais travail c'est ça vraiment il offre en pile flexibilité salaire là pas mal et puis non, les qu'on gagne hein, quand ça me dit information qu'on gagne hein, toujours carré de l'autre monde parce que je dois tout si me quitte formation, toute information que me gagne hein, toujours gagne zanmi, toujours gagne mon qui après les pour poser une question sur médicament, sur série de maladie, son bon allié, au carré de tout le monde. On va bien dire tout le bon, et je connais que réellement que moi-même j'ai eu une chance de faire là pour les faire aussi quand on a déjà que pour me participer non c'est de messe parce que bon quoi après moi que chaque premier dimanche du mois on avait une activité sociale socialisation exactement so chaque premier dimanche du mois dans l'église Sainte-Anne dans Brentwood après maintenant nous qu'on allait dans en base maintenant et puis pour bon une heure et demi nous socialiser puis il y a deux fois tout ça dépend de ça que dans le programme là nous te qu'on faire des petits comme on t'a dit ça show côté nous partager information connaissance nous dans branche médicale ou bien dans l'autre branche oui, tout, avec mais déjà, ça a moins que Père Wismic qui va le présenter déjà. Au contraire, c'est Père Wismic qui a commencé dans l'église là et puis il a continué avec. Et avec programme. Avec programme. Oui, en tout cas, Père Wismic que nous avons quelques mouns dans la nous avons un million. Non, il va bien, il va bien. Et vous connaissez pas un million, toi, Père Wismic. Et que je dis à vous que. La radio Télé-Solidarité ou bien le Centre National à travers la radio Télé-Solidarité, on projette que bon, nous sommes capables de voir que mon CS est sur tous les fronts. Que même les que mon yo bada de nous là tout. Ouais. Et que nous projetons en tant que vice-chef de la radio Télé-Solidarité. Et que projet ça que nous connaissons, que vous travaillez sérieusement là-dedans. Sérieusement. Et c'est à cause de vous-même qui t'es invité moi pour me faire partie de comité ça, qui mette le projet ça ensemble et même l'homme de dit non, mais on t'a insisté et qu'on dit et que son talent, que moi bien sûr infiniment à tout cœur qu'on pense son talent et que j'ai une qualité, j'ai une sagesse que moi qu'à partager avec le comité, avec le groupe ça qui mette le projet ça ensemble parce que je connais son projet qui très proche cœur et on me dit comme ça. Si tout combat est arrivé pour continuer, pour me faire rêver ça oui, réaliser. Bon, à la vérité, bon, je pense que le projet a un projet nous. Oui. Je dis à tout bon, ouais. C'est ça avec le Centre National, Radio Télé-Solidarité, avec tous les professionnels qui commencent à engager. Et que le projet pour tout. Parce que moi-même, je dis que, bon, nous avons dit ça carrément, je dis à tout ça, que son projet qui fait ça, tout le bagage là, c'est accepté, c'est ensemble.
chita ensemble, là que nous chita ensemble, il n'y a plus de bagarre qu'on va faire. Exactement. C'est division, c'est ça, l'union fait la force. Exactement. Et ça qui est bon dans le projet, ça, là, tu nous que Haïti commence à payer des peuples américains depuis la guerre de l'indépendance, mm-hmm. que nous sommes là. Et nous sommes là, ça va maintenant. Bon, que nous, réellement, nous avons des valeurs professionnelles, nous avons un peu partout. Et même des mondes où nous commençons qui a et qui a maïs et qui a mer et tout ça, nous avons un paquet de monde, un peu partout. Ouais. Mais ça, c'est la loi qui va être pour nous. Oui, nous avons toute industrie dans le pays. Alors, pour nous quitter le pays, nous venons ici et que nous accomplissons des choses que nous n'avons pas espéré. Que non seulement nous avons accompli, c'est avec grâce bon Dieu que nous avons accompli tout le bagage ça. Mais ou quitter le pays ou venir dans l'autre pays, il faut faire un bagage positif, il faut faire un bagage qui a porté un fruit, non seulement dans le pays que vous avez avec Haïti, dans le pays pauvre. Et ça veut dire que vous pensez que son projet a changé l'image, non? Absolument, absolument. Non. Parce que d'ailleurs, lui a montré, lui a regardé le documentaire d'Haïti, il a toujours montré que son pays pauvre, mais on va, il va jamais montrer que Haïti produit un pile docteur, un pile professionnel. On va me dire ça. C'est qui est un peu partout. Ouais, ouais. Qui partout. Partout. Ouais. Partout. Et professionnel, on a toujours pensé c'est docteur, avocat, ingénieur. Mm. Non, nous gain maire, nous gain président. L'université, nous avons entrepreneurs, nous avons entreprises payées, nous avons professeur l'école principal dans high school, nous avons comment ça veut dire, so, nous partout. Nous partout, ouais. Mais ça c'est moi qui montre, c'est pas moi qui va le dire, non, qui ça que nous y est. Exactement. Parce que c'est là qu'on va le faire tout, nous avons bien respect pour vous. Yes. Et ça, le pour le faire, c'est notre chita-tête ensemble. Ça, avec le projet, ça tout, nous pourrons mettre un petit, comme si, retirer l'ignorance que, parce que nous sommes un pays pauvre et que nous pas produit bon bagay. So, l'heure où est documenté en ça, il y a bon l'autre idée de, d'Haïti et de monde qui sont d'Haïti. Oui, bien sûr, bien sûr. Par le documentaire, ça, que bon. Et bon Dieu permet nous faire nous pouvons la capable passer dans toute chaîne télévision pas pour ici et même dans l'université tout que pour Haïtien qui a étudié dans l'université pour capable voir que qui monde nous baise c'est nous baise sinon baise mélange OK premier éducatrice de race noire qui était Baltimore qui même arrivé fond nos congrégations qui encore là je ne vous dis nous capable baise tout en monde tant que point et j'ai pas disponible ça dans Chicago. Et que qui t'a fondé ville ça, fondé ville Chicago. Et nous connaissons les deux professionnels, nous gagnons à Chicago. Mais moi, que Gabriel professionnel, tant que docteur Ludovic Como, il y a content de ça. Docteur Saint-Pierre-Louis, et même le consul Condé, et le conseil général, il y a content de ça. Parce que réellement, il y a deux mondes que nous baillons, un peu partout. Ma amie, n'en parlons pas avec eux. Et le père original Jean-Marie. Et nous partout dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Et regardez, je dis, ah bon, nous mêmes et grand monde, et que bon, et que, yo prétend que dans le gouvernement, il y a un paquet d'Haïtiens qui était la maison blanche. Et bien que, ça, c'est même qui vous fait ressortir. Mais qui sont attendre le professionnel, parce que moi, on fait partie du comité central. Qui sont attendre vraiment, oui. Qui ça m'attendre le professionnel, là? Alors. Ça m'attend moi c'est que pour nous vraiment participer à tout que nous et que le nous arriver accomplir un bagage dans vie nous tant que nous venons avocat ingénieur entrepreneur quel que l'on soit dans département nous est dans industrie nous supposons partager parce que c'est grâce bon Dieu qui fait nous arriver côté nous hier et pas parce que c'est nous même à propre tête pas nous. Alors le bon Dieu ba nous un cadeau nous supposons partager. Alors partage a commencé dans uni nous et puis pour nous aider reste maintenant connaît qui ça qui Haïti, qui ça Haïti produit et puis en même temps tout pour nous encourager jeunes yo. Parce que c'est jeunes qui pral faire qui pral remplacer nous demain. Alors, j'aimerais mais que professionnels yo participent avec tout cœur, yo bail temps yo et puis
unir tout le monde ensemble, encourager pour nous tous unis pour nous faire projet ça réaliser. Qui va être pour bon. Bon, en tout cas, le docteur Milan, nous ne connaissons pas si au moins dernier mot avant que vous n'allez. Alors, je dis que tout le monde, je fais partie du comité central là et c'est même qui prend en charge pour qu'il y ait communication avec tout l'autre petit comité. En cap sorti ou d'im Boston tout partout dans tout état yo alors moi sauté à tout cœur que nous tout mettez tête nous ensemble pour travailler pour réaliser projet ça et m'pas attendre pour nous commencer bon oui bon Jean docteur Milan Lenoir que lui fait partie du comité central il y a bien plusieurs comités que pour projet ça et bon d'après ça que bon en fait que moi c'est ça ouais avec l'autre monde qui ensemble avec Dio a bien un comité pour livre là que quand tout le monde qui déjà commencé par nous on peut l'espérer commencer par nous après un comité pour documenter la cour et normalement que nous avons un projet comme ça va prendre l'argent pour faire lire et que nous avons un comité pour s'arrêter le vœu de fond tout ouais. Mais que mon c'est ça réellement enthousiaste le père Saint Charles Bonneau réellement enthousiaste et que quand il paye ouais qui commençait vraiment dis nous important ce projet ça tant pour le père Gachia Bonneville, qui est coordonnateur pastoral haïtien dans HGC de Boston. Bon, et il a déjà supporté que le père original Ronamami et Tikeola, Dr. Gerda Nicolas, Tiola, association médecin, à travers le Dr. Clérisme, bon, tout le monde a appuyé, avocat, Tiola, tout, ouais, ingénieur, représentant, infirmier, et que à travers ANA, ouais, bon, qui c'est une grosse organisation. Eh bon, ils ont dit qu'ils ont supporté le projet ça. Et réellement, comme moi dis nous, on met ensemble pour le projet ça vraiment. Et tu as changé l'image. Mais peu d'avis que quand on se réveille tout, pour la communauté haïtienne, pour nous voir que Christa que nous y est, pour nous voir les gens que nous gagnons qui sont un peu partout. Ouais. Et que on nous met ensemble, et ça qui qu'on a prié, la prière pour ça t'a privé, fait pour tout le monde vraiment. Et que tu es content avec ce qui a prêté pour des générations. C'était Frère Nous, Zami Nous, Frère Buto, Bordetor de la radio télé Solidarité. Encore une fois, un grand merci. Merci, Bordetor. I'm not afraid of the dark.